بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه القناة، قناة الثقافة العربية والترجمة، مع الدرس الأول من الدورة الثانية، عفوا من الدورة الثالثة السنة الثانية، مسلك أو المسالك علوم المهندس MBA PSE TSE. مقدم الحلقة نور الدين حالي، مبرز في مادة الثقافة العربية والترجمة، ومدرسها بمركز عبد الكريم الخطابي بمدينة الناظور. نحن طبعا كما قلت في الدورة الثالثة، وهذه الدورة ينتظمها المحور الدراسي المثقفون والسلطة، les intellectuels et le pouvoir. إذن هذه هي الحصة الأولى، c'est la première séance. Elle est réservée pour une version تعريب. Le support est intitulé les intellectuels et le pouvoir. Pour Michel Foucault. L'objectif général de la séance, se familiariser avec le discours philosophique du philosophe éminent Michel Foucault. Objectif spécifique, rendre en langue cible convenablement au contexte les connecteurs logiques dans le texte source. Pour la méthodologie, on l'affiche sur l'écran. On lit le support, les intellectuels et le pouvoir. Un militant me disait, Sartre, je comprends bien pourquoi il est avec nous, pourquoi il fait de la politique et dans quel sens il en fait. Toi, à la rigueur, je comprends un peu. Tu as toujours posé le problème de l'enfermement. Mais Deleuze, vraiment, je ne comprends pas. Michel Foucault. Il me semble que la politisation d'un intellectuel se faisait traditionnellement à partir de deux choses. Sa position d'intellectuel dans la société bourgeoise, dans le système de la production capitaliste, dans l'idéologie qu'elle produit ou impose, être exploité, réduit à la misère, rejeté, maudit, accusé de subversion, d'immoralité, etc.
son propre discours en tant qu'il révélait une certaine vérité qu'il découvrait des rapports politiques là où l'on n'en percevait pas, ces deux formes de politisation n'étaient pas étrangères l'une à l'autre, mais ne coïncidaient pas non plus forcément. Il y avait le type du maudit et le type du socialiste. Ces deux politisations se confondirent facilement en certains moments de réaction violente de la part du pouvoir. Après 1848, après la Commune, après 1940, l'intellectuel était rejeté, persécuté, au moment même où les choses apparaissaient dans leur vérité. L'intellectuel disait le vrai à ceux qui ne le voyaient pas encore et au nom de ceux qui ne pouvaient pas le dire, conscience et éloquence. Or, ce que les intellectuels ont découvert depuis la poussée récente, c'est que les masses n'ont pas besoin d'eux pour savoir. Ils savent parfaitement, clairement, beaucoup mieux qu'eux, et elles le disent fort bien. Mais il existe un système de pouvoir qui barre, interdit, invalide ce discours et ce savoir. Pouvoir qui n'est pas seulement dans les instances supérieures de la censure, mais qui s'enfonce très profondément, très subtilement, dans tout le réseau de la société. Eux-mêmes, intellectuels, font partie de ce système de pouvoir. L'idée qu'ils sont les agents de la conscience et du discours fait elle-même partie de ce système. Le rôle de l'intellectuel n'est plus de se placer un peu en avant ou un peu à côté pour dire la vérité muette de tous. C'est plutôt de lutter contre les formes de pouvoir là où il en est à la fois l'objet et l'instrument, dans l'ordre du savoir, de la vérité, de la conscience, du discours. C'est en cela que la théorie n'exprimera pas, ne traduira pas, n'appliquera pas une pratique. Elle est une pratique mais locale et régionale, comme vous le dites, non totalisatrice. Lutte contre le pouvoir, lutte pour le faire apparaître et l'entamer là où il est le plus invisible et le plus insidieux. Lutte non pour une prise de conscience. Il y a longtemps que la conscience comme savoir est acquise par les masses et que la conscience comme sujet est prise, occupée par la bourgeoisie. Mais pour la sape et la prise du pouvoir, à côté avec tous ceux qui luttent pour elle, et non en retrait pour les éclairer. Une théorie, c'est le système régional de cette lutte. C'est ça, une théorie, c'est exactement comme une boîte à outils, reprit Gilles Deleuze. Les intellectuels et le pouvoir, entretien de Michel Foucault avec Gilles Deleuze, 4 mars 1972. Merci. Qui est Michel Deleuze? Qui est Michel Foucault? Michel Foucault, né 1926, mort 1984, est un philosophe français, figure marquante de la pensée du XXe siècle. Il est l'auteur d'une des œuvres les plus importantes et les plus originales du XXe siècle, l'archéologie du savoir, mondialement reconnue. Il a introduit en philosophie des objets nouveaux, la folie, la prison, la sexualité, et ainsi renouveler la réflexion. Elle a également soutenu la plupart des combats minoritaires qui ont vu le jour après mai 1968. Donc la composante énonciative.
Bien sûr, et qui parle dans le texte, c'est bien sûr Michel Foucault. Mais il s'adresse à son interlocuteur Gilles Deleuze. Voilà, donc, et même à la fin, Gilles Deleuze, donc, il lui cède la parole et dit quelque chose à la fin du texte, comme on a vu. Voilà, donc, quel est le genre, le type du texte? Le texte en question est un essai philosophique argumentatif. L'idée générale du texte, selon le texte, l'intellectuel doit-il rester à l'écart de la politique? Non. L'intellectuel doit pratiquer la politique à côté des masses et doit cesser de leur adresser des discours théoriques, purement théoriques, qui ne servent à rien. C'est ça l'idée essentielle du texte. Les tournures linguistiques, en tant qu'elles, on va voir le contexte, accusé de subversion, de moralité, etc., son propre discours, en tant qu'elle révélait lemma kana, en tant qu'elle révélait lemma kana, lemma, disait le vrai. Dans le contexte suivant, kana yakshifu l'haqiqa. Daïmen huna l'imparfait, donc vous savez déjà, donc l'imparfait, on le traduit kana zaïd fi'l mudari. Kana zaïd fi'l mudari, disait la vraie, kana yakshifu l'haqiqa. Ainsi, on passe au lexique et à la terminologie. Il y a un adverbe traditionnellement, on le traduit dans ce contexte, adatan. Poussée récente, l'intifada al-jadida. Le phénomène morphosyntaxique, on le sait déjà, ce sont les charnières, la traduction des liens logiques. On doit faire attention au cas où les charnières en français sont implicites. On doit les expliciter en langue arabe. On passe à la traduction. Voilà le premier paragraphe. Al-muthaqqafuna was-sulta. Kana ahad al-munadhilin yaqul li afham jayidan limadha yunadhil Sartre ma'ana wa limadha yumaris as-siyasata wa bi ayyi ma'nan yaqum bidhalik. Wa ant إلى حد ما أفهم قليلا غايتك من ذلك لأنك تطرح دائما مشكلة الاحتجاز ولكن دولوز لا أفهم حقا غايته من ذلك. ميشيل فوكو. On passe à la traduction personnelle. يبدو لي أن تسييس المثقف كان عادة يبدأ من شيئين. أولهما موقعه كمثقف في المجتمع البرجوازي في نظام الإنتاج الرأسمالي في الأيديولوجيا التي ينتجها أو يفرضها أن يكون مستغلا بائسا مرفوضا ملعونا متهما بالتخريب باللا أخلاقية إلى آخره وثانيهما خطابه الخاص لما كان يفصح عن بعض الحقائق ويكتشف علاقات سياسية لا يدرك الناس مع منها شيئا وهذان الشكلان من التسييس لم يكونا غريبين عن بعضهما ولكن أيضا لم يكونا منطبقين بالضرورة فقد كان هناك نوع من التسييس الملعون أو المنبوذ ونوع من التسييس الاشتراكي وهذان الشكلان يتداخلان بسهولة في بعض الفترات من ردود الفعل العنيفة من قبل السلطة مثل ما حدث بعد سنة 1848 وبعد كومونة باريس وبعد 1940
حيث كان المثقف مرفوضا ومضطهدا في الوقت الذي كانت تظهر فيه الأشياء على حقيقتها. كان المثقف يكشف الحقيقة لمن لم يكن يبصرها بعد، وكان يفعل ذلك باسم الذين يستطيعون التصريح بها، وهذا هو الوعي والفصاحة. والحال أن ما اكتشفه المثقفون منذ الانتفاضة الجديدة هو أن الجماهير لم تعد في حاجة إليهم لتعرف، فهذه الجماهير تعرف تماما وبوضوح بل وأفضل منهم، وتصدح بذلك بقوة، بيد أنه توجد سلطة تعيق هذا الخطاب وهذه المعرفة وتمنعها وتعرقلها، سلطة لا تقبع فقط في الهيئات العليا للرقابة، بل تنفذ بدقة إلى أعماق الشبكة الاجتماعية كلها. والمثقفون أنفسهم يشكلون جزءا من نظام الحكم هذا، ودور المثقف لم يعد في التموقع هناك إلى الأمام قليلا أو إلى جانب أو إلى الجانب شيئا ما من أجل أن يصرح بالحقيقة الخرصاء بين الجميع. عليه بالأحرى أن يناضل ضد أشكال السلطة حيث يكون في الآن موضوعا وأداة، وذلك في نظام المعرفة والحقيقة والوعي والخطاب. بهذا المعنى فإن النظرية لن تعبر عن شيء، ولن تترجم شيئا، ولن تمارس تطبيقا ما، إنها ممارسة، ولكنها ممارسة محلية وجهوية، وكما تقول ليست كليانية. النضال ضد السلطة النضال من أجل كشفها ثم مباشرتها هنالك، حيث تكون أكثر خفاء وأكثر مكرا ودهاء. ليس النضال من أجل التوعية، فمنذ زمن بعيد والجماهير تكتسب الوعي بوصفه معرفة، بينما تستفرد به وتأخذه البرجوازية بوصفه موضوعا، بل هو من أجل إسقاط السلطة وأخذها جنبا إلى جنب مع جميع الذين يناضلون من أجلها، وليس بالتراجع إلى البرج العاجي بحجة تنوير الجماهير. النظرية هي النظام الجهوي لهذا النضال والمكابدة. واستطرد جيل دولوز قائلا: هذه هي بالضبط النظرية، إنها مثل علبة الأدوات. المثقفون والسلطة، حوار بين ميشيل فوكو وجيل دولوز، 4 مارس 1972. وبهذا ننهي هذه الحصة، على أمل اللقاء بكم في حصة أخرى بإذن الله. شكرا لكم على حسن التتبع، وأسعد الله صباحكم. Thank you.